Où est-ce qu'elle se trouve, la dame? Chérie? Viens, s'il te plaît. Ah, vous êtes là, Esther. Tanti, merci beaucoup, Esther. Toto. Oh, ma fille. Tu peux installer les parents dans ma chambre d'amis? D'accord, allez, venez. Mon fils, merci beaucoup. Je t'en prie, merci beaucoup. Je t'en prie. Installez-vous. T'es sûr que ton partenaire t'accordera une permission après le temps de congé passé? Si tu savais à quel point est-ce qu'il me sort par les pores, ce partenaire. Mais de toutes les façons, s'il n'accepte pas, je démissionne pour me consacrer à toi. On a suffisamment d'argent pour vivre sans travailler, n'est-ce pas? Ok. Tu pars? Oui. Fais attention. Qu'est-ce que tu veux? On s'était mis d'accord sur nos rapports. Qu'est-ce que tu es devenu, mon frère? Tu as mis ta mère à la rue? Ça ne te regarde pas. Mais je ne te reconnais plus. Charles, je ne te reconnais plus. C'est pour une femme qui est rentrée dans ta vie il y a à peine 7 mois que tu te comportes ainsi? Ça aussi, c'est pas ton problème. Comment est-ce que ça a pu arriver? Ce n'est pas ta faute. Laure a ensorcelé ton fils. Peut-être. Mais il a raison sur toute la ligne. Je ne suis qu'une femme faible. Ne sois pas dur envers toi-même. Tu lui as donné tout l'amour d'une mère. Arthur m'a dit comment tu as été présente dans la vie de Charles. Oui. Ma mère m'a toujours dit que la soumission est la seule chose qui garantit à la femme son foyer. Mais elle ne m'a pas dit le lot de frustration et d'humiliation qui va avec. Ce sont certains hommes qui profitent de la soumission de la femme pour l'esclavagiser. Il ne reste pas moins que c'est une vertu. Si seulement un jour il pouvait comprendre tout ce que j'ai fait comme sacrifice pour lui. Et moi j'espère qu'il ne sera pas trop tard. Je suis très occupé ces temps-ci. Oui, j'ai beaucoup de choses à faire et j'ai vraiment pas le temps. Et puis après tout, tu as dit que tu te maries, non? Oui, c'est dans 2 semaines. D'ailleurs, j'ai pensé à une chose. Si tu veux, je suis à l'appartement en train de ranger mes dernières affaires. Tu peux me rejoindre? Non, merci. Tu sais quoi? Quoi? Je veux organiser mon enterrement de vie de jeune fille avec toi. Rien que toi et moi. Qu'est-ce que t'en penses? Il faut que tu saches quelque chose. Ma femme est sortie de son coma depuis 2 jours. Et je ne sais même pas le sort qu'elle te réserve. Tu devrais penser à faire profil bas. On s'en... Chérie? Allô? Allô? Imbécile. Tu m'as tellement manqué. Tout le temps que tu as passé à l'hôpital, je ne faisais qu'angoisser. Chaque jour qui passait, j'avais l'impression que c'était la fin. Et ma gorge se nouait de colère et de tristesse. Je m'en veux tellement de n'avoir pas été là pour te délivrer des griffes de cette sorcière. Pardonne, mon chéri. Je ne sais pas encore ce que tu vas décider nous concernant. Mais sache que quelle que soit ta décision, je l'accepterai. Cette fille, je veux que tu l'arrêtes et que tu portes plainte
fais pas. Je porterai plainte contre vous deux pour tentative de meurtre. Et tu sais très bien que si j'en parle, c'est parce que j'ai des preuves pour vous inculper. Je te connais très bien pour savoir que tu veux me pousser au divorce en renonçant à mes avantages. Et qu'est-ce que tu décides ? Je l'accepte. Tu vas quitter ma maison sur le champ. Sors d'ici ! Sors d'ici ! Évidemment, je n'ai plus rien à faire. Je repasserai après prendre mes affaires. Allô, bébé ? Tu as encore l'appart ? Oui, attends-moi, j'arrive là. J'arrive à l'instant. Bisous, mon cœur. Simplice ! Simplice ! Je suis un homme libre maintenant. Comment ça se fait? Cette vieille mégère a demandé le divorce. Non. Sérieusement? Je suis délivré. C'est bon, tu vas tout annuler maintenant. Non. Mais pourquoi? Maintenant que tu es divorcée et que tu es fauchée, vu que ta femme est actionnaire majoritaire de vos sociétés, faut bien que quelqu'un prenne les choses en main. Donc, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais me marier à Charles. Ensuite, boum, il va mourir d'une crise cardiaque. Et toi et moi, on empoche la fortune. C'est qui le génie? C'est toi le génie. Je sais. Nous n'allons pas rester indéfiniment dans cette maison. Je sais. Au point où nous en sommes, nous devons envisager de négocier avec Charles. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? Nous devons envisager de retourner à la maison. Non, je n'irai pas dans cette maison. Charles m'a trop humilié comme ça, ça suffit. Tu te souviens de ce que tu as promis à ton meilleur ami lorsqu'il était dans son cercueil? De prendre soin de son fils. Et aujourd'hui, son fils a besoin de toi. Non. Charles n'a pas besoin de moi. Il n'a pas cessé de m'insulter, de m'humilier. Je ne suis pas un hypocrite, Adèle. Je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Les blessures qu'il m'a infligées sont encore fraîches dans ma mémoire. Je suis toute seule. Je ne suis qu'une pauvre femme. Je ne peux pas laisser mon fils dans les griffes de cette femme. S'il te plaît, Antonin, ne m'en attends pas. S'il te plaît. Tu es peut-être masochiste, mais pas moi. Ton fils, je m'en lave les mains. Advienne que pourra. Je me suis jamais senti aussi bien. Et moi, je me suis jamais senti aussi heureuse. Fais-moi voir. Or pur, s'il te plaît.
Comment est-ce qu'il peut être aussi con? Il ne te doute même pas que tu te fous de lui. C'est pour ça que ce sera facile de le tuer. C'est mon téléphone? Quand on parle du con, on sent sa connerie. Allô, mon amour. Je t'avais dit que je passais à mon appartement pour récupérer mes dernières affaires. J'ai bientôt fini, t'inquiète pas. Ok. Devant la porte? La porte de l'appartement? Je suis dans la douche, je finis dans 2 minutes. Je viens. Il est devant la porte. Je vous remets une copie. C'est tout? La prochaine étape, c'est la signature de l'acte notarié. Je vous tiendrai informé incessamment de la date, mais vous pouvez préparer le chèque. Bien entendu. Madame, je vous souhaite encore une fois prompt rétablissement. Merci bien, madame. Vous vous demandez sûrement pourquoi je n'associe pas mon mari à l'achat de la maison. Madame, c'est... Excusez-moi, mais c'est vraiment pas mes oignons. Ce sont vos oignons. Je vais vous le dire quand même. Parce que j'ai mal au cœur. Mon cœur me fait très mal. Qu'est-ce qui arrive à tes cheveux, toi? Ah, j'ai fait mes valises depuis ce matin et de toute façon, j'ai fini. J'étais prête à partir, viens. Voilà, je te préfère comme ça. On y va. C'est à toi le bracelet? Oui, je pense qu'on devrait y aller. T'es sûr, mais plus gros que ton poignet? En fait, je crois que c'était un cadeau de mon ex. Tu vois, celui dont je t'avais parlé, le salaud de mari. Et je l'ai jamais aimé de toute façon et je vais pas l'emporter, ça porte malheur. On y va, bébé. D'accord, je vais utiliser tes toilettes vite fait. J'ai un souci avec la chasse. C'est pas grave. On a le temps, bébé. On y va rapidement. On va le faire là-bas. D'accord. Bon oublié? Certaines femmes, lorsqu'elles en finissent avec vous, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de donner votre vie à Jésus. Mais qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez cette fille? Elle va porter la robe de la femme de son amant pour se marier avec Charles. Quoi? C'est qui ce type? Un directeur d'entreprise de sécurité privée. Mais il va tuer mon fils. Mais c'est sûrement leur projet. Ils veulent le tuer lorsqu'il sera marié avec l'or pour mettre la main sur tous ses biens. Ah ça, je ne peux pas laisser faire. Où est-ce que tu vas? Mais tu n'as pas entendu? Elle va tuer mon fils. Je dois empêcher ce mariage par tous les moyens. En quoi faisant?
Charles est un borné. Donc toi, tu suggères que je laisse mon fils dans les mains de cette meurtrière. De toute façon, je ne compte même plus sur toi. Ton cœur est tellement rempli de haine pour mon fils que tu rêves de le voir mort. Ne me parle pas comme ça après tout ce que j'ai enduré. Mais où est-ce que tu vas? Adèle! Adèle! Maman, cela fait plus d'une heure qu'on fait le guet. Et si on rentrait pour revenir le soir? As-tu la raison? On va se faire remarquer. Je m'en fous. Je vais attendre ici tout le temps qu'il faudra. Même s'il le faut, je dors là. Mon fils! Mon fils! Oh, mon fils! Je t'en supplie, écoute la voix de ta mère. Cette femme, elle n'est pas bien. Elle va te tuer pour prendre tous tes biens. Crois-moi, je ne peux pas te vouloir du mal. Maman, Laure est différente de toi. Papa rentrait à la maison avec toutes ses copines et toi, tu dressais le lit conjugal pour eux. Charles, il y a ce que tu as vu, mais il y a ce que tu ne sais pas. Antoinette, qu'est-ce que tu attends pour prendre ton épouse et puis dégager? Charles! Pour toi, tu la fermes, ça ne te regarde pas. Maman, excuse-moi, mais tu arrêtes ta comédie, là. Hein? Et puis tu rentres chez toi. Chez moi? Quel chez moi? Tu as pris le seul chez moi que j'avais. Pourquoi tu défies la mort, Charles? Je suis ta mère. Regarde-moi, je suis ta mère. À ton avis, pourquoi tous les nombreux enfants que ton père a eus, aucun d'entre eux n'est venu réclamer sa part d'héritage? Mais c'est bien parce que j'ai fait le nécessaire pour te protéger, pour que tu sois le seul héritier de toute cette fortune que tu gaspilles avec ta prostituée de femme et cette maison de laquelle tu m'as chassé sans état d'âme, Charles. Charles, sans état d'âme. Tu m'as fait ça? Sa robe de mariée, elle t'a dit au moins que c'est celle de la femme de son amant? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas les laisser me traiter comme ça pendant combien de temps encore? Ça suffit! Charles! Charles! J'ai un proverbe pour toi. Si un cafard s'aventure vers un poulailler, malgré les mises en garde, c'est que sa mort n'est pas loin. Et moi, j'ai une vérité pour toi. Assurément, ce cafard, c'est toi. Je serai toute belle. Mais il manque la cerise sur le gâteau. Tu es où? Rejoins-moi vite. Je suis toute seule. Je dois enterrer ma vie de jeune fille. J'en ai le droit, non? À tout à l'heure. J'étais beau et impatient de me marier ce jour-là. Mais j'étais tout seul, sans famille et sans amis. Maintenant que j'en parle, je me rends compte que c'était aussi pareil pour Laure. Merde, les alliances!
femme. Ton ex-femme, spécialement ajustée à ma taille. Je l'ai fait juste pour toi. J'espère qu'elle te plaît. Tu vois la femme qui aurait dû être à tes côtés il y a 17 ans? Bah, c'est moi. Montez du champagne de la chance, s'il vous plaît. Très bien, monsieur. Il y a des êtres qu'on ne comprendra jamais, et sûrement l'or en fait partie. Je me pose une seule question. L'or, qui es-tu? Toi, ça sera Charles, et pour moi, ça sera Arthur. Mais qu'est-ce que tu lui trouves à cette heure? Tout ce que tu n'as pas. T'es sûr, il est plus gros que ton poignet? En fait, je crois que c'était un cadeau de mon ex. Regarde bien ces photos, regarde-les bien, et tu verrais que c'est un grossier montage. Cet homme, je ne l'ai pas revu depuis que toi et moi, on est ensemble. Écoute la voix de ta mère. Cette femme, elle n'est pas bien. Elle va te tuer pour prendre tous tes biens. Ça suffit! Charles! À ma place, qu'auriez-vous fait? Les coups de la vie, il y en aura toujours.